est actuellement 9h59. Donc là, je vais prendre ma douche bien préparée et ensuite on décolle, prendre l'avion. Alors bon, le problème quand tu vas au bled, c'est que forcément, tu vois, tu dois ramener des trucs pour tout le monde. Là, c'est ma valise, dedans, il y a du thé, il y a des gâteaux, il y a du chocolat. C'est ma mère, elle envoie tout ça. Et après, eux, ils font un troc, tu vois, genre, eux, ils remettent tous les trucs qui sont chers en France, mais pas en Turquie, eux, ils mettent dedans, du coup, je le ramène ici, tu vois, je fais de l'import-export. Là, mon père, il a carrément ramené un casque de soudure. Mais pourquoi? Avec du soudjouk et du salam. D'accord, bon, on va faire avec. Voilà mon fucking ride pour ce soir. Ça y est, j'ai même un chauffeur, il est là. Je vais pas le filmer pour des raisons de sécurité, tu vois. Démarre les routes, mon frère. Des sentiers battus. Nous sommes actuellement le 10 décembre 2017, non 16, je sais même pas quelle année on est, ça se voit que j'ai arrêté l'école. Et aujourd'hui ça va être la grosse journée, on va aller se balader à Istanbul, on va aller partout dans les coins les plus touristiques, franchement vous allez kiffer ça. Donc voilà, je vais pas tarder à sortir, j'espère que vous allez kiffer, à toutes. Apparemment, il y a une histoire ici qui dit que c'était la fille du sultan qui était enfermée dans cette tour. Il y a eu une histoire d'amour, comme quoi il y a quelqu'un qui a traversé toute l'eau pour venir jusqu'à la tour, tu vois. Ça, c'est une belle histoire d'amour. Ah, c'est pas tes vieux bails avec Karima, tu l'as invité à la chicha, tu vois. Donc ça, c'est un vase du 18e siècle. Ça, c'est une épée du 16e. Ça, c'est un vase du 14e. Et ça, c'est... Ah non, ça, ça n'a rien à voir. Tu vois cette entreprise là, bah elle est à lui là, ce gros 6 là. Il fait le 6 gros.
Et voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Et si jamais cette vidéo atteint 50 000 j'aime, eh bien je ferai un autre vlog dans un autre pays, dans une autre ville. Si on a 49 999, je le fais pas, donc maîtrisez vos j'aime. Et je tiens à remercier mon père qui m'a beaucoup soutenu pour cette vidéo. C'est rare d'avoir un père qui te soutient autant dans des projets. Et lui, il le fait tout le temps, il a toujours été là pour moi, donc je tiens à le remercier pour ça. Et je tiens aussi à remercier toute la famille du Bled qui m'ont aidé pour ça. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous parlant de quelque chose. Pour ceux qui sont au courant, samedi dernier, il y a eu un attentat devant le stade de Beşiktaş à Istanbul. Et en plus, moi, j'étais là-bas 2-3 heures avant l'explosion. Le dernier snap que j'ai pris le 10 décembre, c'était ça, tu vois, juste devant le stade. Et en plus, je devais aller au match, mais j'ai eu un imprévu, tu vois. Et donc, j'ai pas pu continuer le vlog parce que j'étais touché, tu vois, par respect, il y a eu des morts, des blessés. Et il y a même eu un moment où j'hésitais à poster cette vidéo parce que j'aurais pu être là-bas aussi, tu vois. Bien sûr que je pense aux autres, tu vois, mais on est tous un peu égoïstes, tu vois. Tu te dis, en fait, tant que ça te touche pas ou que ça aurait pu te toucher, bah tu penses pas. Mais là, comme ça m'est presque arrivé, vraiment, tu vois, ça fait bizarre. Mais après, j'ai vu à quel point les gens là-bas étaient forts. Que malgré ce qui se passe, malgré les problèmes, le gouvernement, tout ce qui se passe là-bas, eh bien, les gens continuent à vivre, à sourire, à essayer de se battre. Et je me suis dit que je devais sortir cette vidéo parce que, au fond de moi, je kiffe aller là-bas. J'y vais tous les ans malgré ce qui se passe. Et j'avais envie de vous montrer justement ces images. Donc voilà, je tenais à vous dire ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la famille. Ciao.